Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements avait organisé une marche de soutien au FRDC. Cette marche vise l'unité nationale pour chasser le M23. Partie du rond-point Kinkanda dans la commune urbano-rurale de Matadi, en passant par la place Ditsi Dorcas, cette marche de soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux forces armées de la République démocratique du Congo, FRDC, face à l'agression dont la partie orientée du pays est victime par le Rwanda, sous le label du M23, a eu comme point de chute la paroisse Sainte-Famille à Safari. Ici, cadres et agents de l'Organisation pour l'équipement Banane à Kinshasa, conduit par Jean-Claude Mafambou, directeur général de cet établissement public sous tutelle du ministère des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, de blancs vêtus ont pris part à une messe de supplication et d'action de grâce dite par le curé de la disparoisse, Abbé Freddy Masika Muzimba, en vue de soumettre les garants de la nation sous la protection divine en cette période cruciale que le pays traverse. Par cette occasion, Gisèle Singwa, cadre à l'OEBK au nom de la direction générale, proche l'économie des mémorandums émis par l'entreprise. Nous, cadres et agents de l'organisation pour l'équipement de Banane à Kinshasa, OEBK, convaincus que c'est Dieu qui nous a donné cette patrie bénie, nous nous remettons à lui à travers ces cultes de supplication et d'action de grâce, parce que Dieu seul nous fera triompher contre les ennemis de la République, comme il a fait pour les enfants d'Israël face aux Égyptiens. Sachant aussi que les saluts de notre République démocratique du Congo ne proviendra pas d'ailleurs que par nous-mêmes Congolais, et conscients des efforts que son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne cesse de fournir pour la restauration de la paix sur toute l'étendue du pays, nous restons vigilants et mobilisés pour l'accompagner jusqu'à la victoire. À travers cette marche de soutien et cette messe de supplication et d'action de grâce, le directeur général de l'OEBK, Jean-Claude Mafambou, et tout son personnel ont réaffirmé leur loyauté et leur soutien indéfectible envers les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.